Yop les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le maraîchage épisode 2, et là comme vous pouvez le voir, on a acheté du matériel. Je m'apprête à amener une benne de betterave pour la sucrerie, vous allez comprendre dans un instant de quoi il s'agit. C'est Et donc du coup les amis, comme dit dans l'intro, le tracteur là je l'ai acheté comment? Je l'ai acheté en live en fait. Le problème c'est que bah, tout simplement je n'avais pas prévu mais il fallait faire du sucre pour produire des tonneaux avant. Du coup je me suis juste permis d'acheter ce tracteur là mais je vais le revendre après, vous inquiétez pas. C'est pour ça que j'ai baissé en fait mon quota d'argent. Ça veut dire que là je suis à 0€ et quand on va le revendre on va se racheter un autre tracteur qui va servir pour le maraîchage. Donc celui-là on n'en aura plus besoin après, en fait c'est juste pour vendre nos raisins. Parce que je vais vous montrer, donc déjà ici on est en haut de la map. Du côté du champ case. Alors je suis désolé s'il y a de l'écho dans ma chambre, mais enfin dans la pièce où je tourne, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, plus rien. Et du coup ça résonne dans tous les coins. Et j'en suis désolé si vous voyez de l'écho, si vous avez de l'écho, mais vu que c'est vide, bah j'ai fait un test son, c'est écoutable quand même. Normalement il n'y aura pas trop de soucis. En tout cas en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement qu'on va aller vider cette benne de betterave bah, ici, alors non c'est de l'autre côté qu'on vide, ok. Ici tout simplement pour produire quoi, du sucre. Et tout simplement, hein, par la suite, bah, on aura du sucre pour produire des tonneaux à vin. Et ça se produit juste à côté. Donc je vais vous montrer ça juste après avoir vidé les petites betteraves. Hop. S'il te plaît, il est où mon petit trigger? Ah voilà. Hop, on vide ça. Alors je vous montre ça ici. Donc on se dirait juste en face. Voilà. Et donc ici, on est en haut. Alors, pour pouvoir vendre nos raisins, parce que sinon en fait j'étais bloqué les amis, si vous préférez je pouvais pas vendre mes raisins et j'étais à 16 000 euros. Vous voulez que je fasse quoi? Je pouvais rien faire. Du coup bah, on a été débloqué. Alors vous voyez, donc on a besoin des palettes de sucre, de l'eau, des raisins blancs et des raisins normaux pour produire du tonneau à vin. Une fois qu'on aura produit du tonneau à vin, on pourra vendre le vin bah, regardez, normalement on pourra le vendre ici quelque part. Donc je remercie à tous les abonnés qui m'ont aidé aussi également pour cela. Alors attends, ça doit être ici quelque part. Voilà, tonneau, marchand de légumes je crois. Ça, ouais, ça doit être ça. 4 620, tu vois, donc ça va, ça rapporte pas mal, tu vois. Ok. Je regarde juste vite fait. Non, c'est bon. Donc ouais, on va vendre ça là-bas. Donc il nous faut bah, tout parce qu'on n'a rien produit. Du coup, je vais le faire en vidéo, ça changera un petit peu. Une fois que j'ai fait ça, alors je sais pas, normalement ça doit se mettre... Attends, est-ce qu'on peut passer ici? Non, on peut même pas passer, on va tourner là. Ça doit se mettre normalement. Normalement, il y a un compteur là-bas pour voir combien de litres on a mis. Voilà, ici, normalement. Tac. Comment ça, zéro? Ah, il faut peut-être que j'avance le temps. Ouais. Regardez, donc là, on a la palette de sucre qui se fond. On va avancer le temps un maximum jusqu'au lendemain. Là, on va passer à moins 1052 ouais, avec les charges des véhicules et tout. Ok. Donc le tracteur là on en a plus besoin, on va le vendre instantanément, la benne aussi, c'était juste pour du truc. Hop. On a quand même 121 000, hein. Je veux retirer de l'argent, vous imaginez bien que c'est overpété. Je vais me remettre à 21 000 les gars. Et donc du coup les amis, j'ai enlevé les 100 000 qu'il y avait en trop, du coup on n'est plus qu'à 21 000. Je prends le Ford qui se trouve ici, qu'on avait chargé les palettes l'autre fois. Je crois qu'il en reste un petit peu, on va tout simplement l'amener. Ah oui, il en reste vachement même. On va tout simplement l'amener. En fait, là, on pourra charger automatique. Ah, mais non, le plateau ne le permet pas. On va amener les palettes bah, pour faire du vin. Et j'ai quelque chose pour vous, les amis. Vous voyez la boîte là? J'ai reçu enfin mon PC de stream, d'encodeur et tout. Enfin, d'encodage et tout. Alors, vous allez dire, Wal, pourquoi tu l'as laissé. Par contre, il est vraiment loin là-dedans, le Ford. Hein. Tu vas me dire, Wal, pourquoi tu l'as laissé dans la boîte? Alors, en fait, je l'ai juste pris, j'ai installé Windows dessus. Comme ça, j'ai déjà l'OS et tout. D'activer dessus Mozilla, enfin bref, les pilotes, etc. Juste pour mon PC et puis je l'ai remis dans sa boîte. Parce que pourquoi? Je vais pas m'en servir tant que je suis pas dans ma nouvelle maison. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, avec le PC, j'ai commandé un Extreme Capu 3, donc un AverMedia qui va me permettre de filmer, etc. Et vu qu'en fait, sur le site sur lequel j'ai commandé, il n'était plus en stock, donc en gros. Le produit n'était plus en stock depuis le temps que je l'ai commandé. Et ils le reçoivent que le 11 septembre. Du coup, je serai level 12 de l'AverMedia. Et du coup, bah en fait, quand je serai livré, je serai chez moi. Donc ça sert à rien de déballer. De toute façon, il va servir à rien vu que j'ai pas l'AverMedia. J'ai pas envie de transballer mes fichiers avec une clé USB. Du coup, bah, j'attends d'avoir l'AverMedia. Et puis, je pourrai enfin le capturer avec celui-là. Et celui-là va faire les rendus. Je peux vous dire, SSD, tout est mis.
tout est mis comme il faut. Top Asha, ils montent leur PC super bien. D'ailleurs, je les remercie parce que le PC était super bien monté. Il y avait même des mousses entre les composants, pour vous dire. En tout cas, c'est vraiment un bon PC. Et voilà, pour le peu que je l'ai testé, il est vraiment très très cool. Pour ceux qui se demandent c'est quoi la config à retenir qui va me servir, ce qui va me servir le plus, c'est le processeur. Je crois que j'ai un i7 7700K à 4,2 GHz. Mais en carte graphique, j'ai pas pris une grosse, puisqu'elle me servira à rien. Je crois que j'ai pris une 1050 et j'ai pris une carte mère Asus. Voilà, donc pour ceux un peu qui se demandent. Alors, on va prendre à gauche, je crois qu'on peut y aller par là. Ouais, merde, tourne. Voilà, donc bah, tout simplement, c'était juste pour vous dire, pour ceux qui se demandent un petit peu ce que c'est la petite boîte là qui reste, c'est mon petit PC, tranquillement, qui attend qu'à être. Oh putain, par contre, lui il est mort, qu'à être utilisé. Voilà, de toute façon, il va bientôt être utilisé, vous en faites pas. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, et je vous remercie parce que je reçois beaucoup de messages qui me disent, ouais, c'est quand tu déménages. Genre, ça me fait plaisir que bah, des gens s'intéressent, enfin, des abonnés, tu vois, qui n'ont rien à voir avec moi dans la vie réelle. Ben, s'intéresse à ce qui se passe dans ma vie réelle, ça me fait plaisir en tout cas. Et tout simplement, donc je déménage quand? Alors j'ai pas de date fixe. En gros, si vous voulez, je dois rénover la enfin, on doit rénover la maison. On a bientôt terminé d'ailleurs, mais ça devrait être dans le courant de la semaine prochaine. Donc la semaine du 1er septembre. Et ouais, du coup, pour la rentrée, normalement j'y serai. Peut-être encore pas sûr, mais je vous dis, je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous le verrez quand je serai chez moi avec le nouveau décor, etc. Du coup, on va aller. C'est au truc 14 hein, qu'on doit aller. C'est au-dessus, je crois. Pour vider les petites papales. Les petites palettes tranquillement. Oh, le fort, tu vois, il avance 4 rangs hein, quand même. Pas énorme. C'est pas énorme. Bon, du coup, voilà, ça me fait plaisir. Du coup, vos petits messages et tout. Vos petits messages de remerciement pour les vidéos. Ça me fait plaisir. Des fois, je reçois des magnifiques messages. Continue tes vidéos sur Facebook hein, et tout. Hein. Vraiment, ça me fait plaisir. Donc, je vous remercie tous pour ça, tu vois. Hop. Vous étiez pas mal à kiffer aussi ma série. Oh, par contre, là, il est mort. Vous étiez pas mal à kiffer ma série où je vous fais découvrir une map. Donc, tous les jeudis, je vous fais découvrir. Enfin, pas une map, mais je vous fais découvrir. Un pays, on va essayer de trouver des modes adéquats, hein. Je ferai au maximum, même si je peux pas trouver le mode identique, j'essaierai que ça y ressemble, pour tout simplement, enfin vous étiez nombreux à me demander, attendez, de faire les trucs pour bah, découvrir le pays et tout, donc ça me fait super plaisir. Par contre, est-ce que c'est ici qu'on met les vins? Je crois bien parce que le sucre, je sais pas c'est où, mais l'eau, je sais que c'est en bas, l'eau c'est ici. Et wow, regardez comment c'est bien fait. Petite tonne à vin, tranquillement. Bah du coup, ouais, on va. Hop, je vais essayer de le vider ici. Enfin, on va tester. J'espère du moins. Hop, ça. Bah non, mais j'ai même pas besoin d'appuyer sur X. Je vais juste aller chercher, les amis, le télescope et je vous retrouve bah, ici, tout simplement. Hop, pour décharger. À de suite. Les amis, on se retrouve bah, pour la suite. Alors j'ai juste fait tomber une palette, j'ai juste la bougé. Donc c'était bien là qu'il fallait mettre les raisins, comme vous avez pu le voir dans le petit accéléré que je vous ai fait. Donc on a mis, je crois, un peu plus de raisins noirs que de raisins, enfin que de raisins blancs. Du coup, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais juste pousser la palette. L'eau, on va aller la chercher en bas. Enfin le sucre, du coup, on va aller le charger aussi. Ça, c'est pas mal de palettes, hein. Voilà, je me suis dit, tu sais, j'aurais pu faire comme d'habitude, tu vois, Wall le fainéant, hein, hashtag Wall le fainéant, vous connaissez? C'est-à-dire qu'on prend un chargement automatique et on charge les palettes. Sauf que je me suis dit, tiens, j'ai envie de jouer un petit peu avec Telesco, plateau, etc. Et du coup, bah, je charge moi-même. Alors, je crois pas que des palettes de sucre, il y en aura masse. Chez moi, limite, il y en aura une. Pour vous dire, en live, j'avais lancé un live à 1h du matin, on était 200, c'était juste ouf. Ou 150 ou 200, en tout cas, vous étiez ouf à 1h du mat, on était énorme. Et en fait, j'ai récolté un champ de betterave et j'avais eu genre une benne. Ah, il y a deux palettes de. Ok, il y a deux palettes de sucre pour le moment. Hop, il reste encore 3500. Hop, on va faire des allers-retours vite fait, j'ai la flemme de prendre le fort pour ça, surtout le temps de l'amener, on aura déjà fait les deux allers-retours. Donc il nous reste à amener de l'eau et puis c'est tout, de l'eau et on sera good les amis. Il nous restera encore à charger d'autres raisins. Mais en tout cas en fait ça, le sucre je sais pas où je le mets par contre. L'eau,
Je crois que ça doit se mettre en roue. Ce que ça va nous apporter, ça, on n'a pas besoin d'énormément. Limite, ce qui nous reste, je sais pas, on verra. Mais là, on est combien? Du coup, j'avais dit 21 000, puisque j'avais mis 21 000. Pour pas non plus, avec 100 000, ça aurait été overpété. Et il nous faut qu'on ait l'obtention des serres. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait les serres qui se trouvent au numéro 8. Et on va dire qu'on va acheter. On va pas acheter, on va acheter au fur et à mesure, tu vois. On s'invente, hein, bien évidemment. Du coup, il faudrait qu'on ait du matériel pour commencer à produire dans les serres, malgré qu'on a déjà ce qu'il faut. Ah merde, merde, qu'est-ce que je fais? Malgré qu'on a déjà ce qu'il faut au niveau de l'eau, plateau. Et par contre, voilà, il nous faut une benne pour le compost, il faut qu'on produise du compost. Et je sais pas ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a un truc bien à mettre dans FSZ pour le compost? Parce que tu mets de la paille, ça fait du compost, mais genre un truc qui touche au maraîchage. Je sais pas si vous avez une idée. Genre, pour produire du compost, il y aurait pas genre des détritus, je sais pas d'où. Dû au maraîchage qu'on. Par exemple, parce qu'on fait là, il n'y aurait pas des détritus, tu vois. What? What? Vous avez vu? Ça va retéper la palette dans le truc? What the fuck? Allez, tu veux bien la prendre, Maurice? C'est bon? Ok, ça m'avait retépé la palette dans le bordel, genre. What the fuck? Du coup, je vous ramasse le temps, il y en a encore une à mettre. Et puis, on sera good. J'amènerai l'eau en off. J'amènerai la tonne pour pas que la vidéo. Enfin, pour pas que ce soit trop long non plus. J'amènerai l'eau et je vous retrouverai bah, une fois l'eau sera mise. Alors, je n'ai jamais produit de tonneau de vin. Je vous dis très clairement, jamais produit de tonneau de vin. Du coup, je ne sais pas ce que ça donne. En tout cas, la palette de sucre est assez cool, hein, franchement. La palette est propre, on va dire. Par contre, ici, j'ai l'impression de jouer en l'eau, genre. Les pavés et tout, je sais pas. J'ai pas l'impression de jouer en hide sur le jeu, tu vois. Bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est pas grave. On va quand même mettre le gyrophare. Du coup, je m'excuse vraiment s'il y a de l'écho, les amis, mais je fais au maximum. J'ai essayé de régler mon micro pour qu'on m'entende un minimum. Donc, limite le son juste pour m'entendre. Comme ça, je mets pas mon micro en fait trop fort. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Merde. Allez, avance. Du coup, comme ça, je mets pas mon micro trop fort et ça me permet tout simplement de. Que ça résonne pas trop, tu vois. Que ce soit encore. Ah, mais il y en a énormément en fait, genre. Please. On va pas tous les mettre, hein. De toute façon, limite je crois. What? Limite je crois même pas qu'on aura assez de raisins pour toutes les palettes de sucre. Pour le moment, on va rester avec 3 palettes. On va aller voir un peu en nombre de pourcentage que ça fait dans. Que ça fait, pardon, dans la machine. Et donc, du coup, 4650 le tonneau de vin. On va voir si ça vaut vraiment le coup au final de faire du vin. Puis au final, j'en ferai en neuf, hein. J'ai encore de quoi en faire en neuf. J'ai encore des trucs de sucre, des raisins. Et de l'eau, bah l'eau, on a juste à en prendre. Pas non plus que ce soit trop en perte. Alors, 20%, 32%, 32%. On n'est qu'à 20% de sucre, hein, l'air de rien. Vous savez ce que je vais faire, les amis? Je vais remettre deux ou trois palettes de sucre, amener l'eau, et je vous retrouve bah, tout de suite après, une fois que c'est rempli, voir un petit peu ce que ça donne. A de suite. Et donc, du coup, les amis, on se retrouve une fois j'ai mis l'eau. Enfin, là, je suis en train de vider l'eau. Donc, j'ai fini les palettes à sucre. Je vais vous montrer un peu le pourcentage qu'on a. Ça se vide tout doucement. Et je ne sais. Non, est-ce que ça va produire des palettes? Je ne sais pas. Normalement, oui. Donc, regardez. Alors, ici, donc, on peut voir un petit peu. Donc, j'ai mis en fait. Pour ceux qui se demandent et pour ceux qui jouent sur cette map en suivant ma série, vous pouvez en fait ici mettre dans le trigger ici les raisins blancs, les raisins noirs, le sucre, et vous mettez l'eau juste en bas. Donc là où il y a le logo au-dessus, donc vous mettez et vous aurez un trigger. Donc là vous voyez, vu, ça remplit, donc 22, enfin 37, 22, 32, 32. De toute façon l'eau c'est ce que ça va consommer le moins. Enfin ah non peut-être pas. Je sais pas. On va voir. Donc on éteint le bordel et on va voir un petit peu en avançant le temps comment ça va se dérouler. Ça, je peux mettre en. Par contre, si je mets en nom, en fait, c'est peut-être ça. Ah, je sais pas. Regardez. Attendez. Ah, attends, on est où, mes amis? Je vais aller voir si ça a baissé mes trucs là. Hop. 37, 22, 32. Tonneau de vin, palette. Pass not free. What? Tonneau de vin. Non. Oh, mais dis pas qu'il faut que je restarte. Je sais pourquoi, les amis, je crois. En gros, vous voyez, pour faire ma marche arrière avec la cuve d'eau, j'ai roulé sur le trigger et du coup, ça prend en compte qu'il y a un truc dessus, je crois. Attendez, les potes, je restarte la partie. Ok, re, donc c'était bien ça. Regardez, maintenant ça produit. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, on va juste aller en bas.
Shit. Du coup, je peux remettre ça en nom. Regardez, normalement, voilà nos tonneaux de vin. Eh, c'est pas beau ça? Du coup, imaginez normalement. Ah, c'est par palette ou par tonneau? Je sais pas. Si c'est par palette, 4500, si c'est par tonneau. Ok, attendez. On va retourner voir combien ça nous a consommé de matières premières. 34, 20. Ah, ça va, hein. Ça va encore. Entretien, ouais. Bah oui, c'est normal, ça baisse, les amis. Hop, ça va se dépasser. On va le remplir full. Et puis, bah non, j'irai le vendre hors vidéo, voir un petit peu à combien on est pour pas vous faire une vidéo trop longue. J'irai le vendre hors vidéo et puis on verra bien à combien on est. Alors, je ne sais pas si on est full, je crois. Enfin, on ne peut plus produire de tonneaux. Mais donc, regardez bien. Je vais essayer que du coup, les prix remontent. Ok, c'est full. Ah. Ah non, ça refait ou pas? Ah, je sais pas. Regardez donc, normalement, merde, ça échappe. Voilà, ici. Normalement, nos tonneaux à 20, ils sont à 4500 euros. Ici, voilà. Ah non, regardez! Il a remonté. Enfin, il est remonté parce qu'il a remonté. Bon, bref. Il est remonté 7350 balles. Bah, je crois que je vais arrêter le temps. Hein, et on va... Enfin, arrêter le temps. Ah ouais, imaginez-vous 7000, donc c'est la palette, hein, je crois. Mais 7300 balles la palette, en sachant qu'on en a déjà, je sais pas, 4, et qu'on a encore des matières premières. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, les potes, je vous dis quoi au prochain épisode. On se retrouve très vite, à jeudi normalement pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, ciao!